Bonjour à tous, bienvenue sur Dans l'Attitude. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau Linux, Zorin OS. Je l'ai virtualisé pour vous le faire voir. Et allez, c'est parti, on commence. Voici son bureau. Le centre de logiciel. Il est basé sur Ubuntu 64. Alors il y a une version pro payante, mais il y a une version gratuite que je vous mettrai en description. Et apparemment il y a un effet graphique sympa que je vais tester. On va lancer une page internet pour voir comment il réagit. On va aller sur ma chaîne à Nord d'Attitude. Ça va, il est rapide. Alors c'est la version 17.1. Voilà ma chaîne. J'espère que j'aurai plus d'abonnés avec cette vidéo. Tout fonctionne parfaitement. Alors en plus c'est dans une virtualisation, donc en installation il doit être plus fluide encore. Et ce qui est bien, c'est qu'il a Gparted déjà installé. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les Linux. Gparted, c'est vraiment utile pour refaire des clés USB, formater des disques durs. Je fais la visite du menu Zorin Apparence. Les effets. Cube de bureau, on va le mettre. Sélecteur de fenêtre spatiale, on va le cocher. Alors après, faut que je trouve où on clique pour faire ça. Non, c'est pas là. On peut mettre plusieurs couleurs, des effets. Ah, j'ai trouvé. Hein. Alors vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce Linux. On va mettre la corbeille, le dossier personnel sur le bureau. Ah, c'est là. Et là, on a le bureau 3D. Ouais, il est sympa. Ça fait un peu les effets de Compiz d'il y a 4-15 ans. Malgré que ça soit une virtualisation, c'est fluide. Donc, sur une install, ça doit être sympa.
J'arrive pas à savoir combien il pèse en poids mémoire, mais c'est pas grave. Il doit être léger parce qu'il tourne vraiment bien. Il pèse que 3,2 Go à télécharger, ça se télécharge vite à 3-4 mégasecondes, mégaoctets secondes. Dites-moi en commentaire si ce Linux vous plaît. Il est vraiment modulable. Non, apparemment, c'est pas ici pour changer le nombre de bureaux. Voilà, c'est un Linux de plus pour la chaîne YouTube Nordatitude qui vous teste des Linux. Voilà, j'ai réussi à faire 3 bureaux. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aurez découvert un nouveau Linux. Des pouces et des abonnements, merci. À bientôt sur la chaîne. Allez, ciao.